Bonjour à toutes et à tous, et merci de nous répondre et de la quintet. Alors, ce lundi 17 juin, on débute la semaine du côté de Saint-Cloud en compagnie des galopeurs, des euh, juments à l'honneur hein, des, euh, des femelles de 4 ans et plus qui seront aux prises. dans Le prix Magic Night, c'est la première course de, du programme sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Un handicap divisé, bien entendu. Une première épreuve, euh, comme je l'ai dit, réservée à des, euh, à des juments. Euh, elles seront 16 au départ. Le parcours. 2000 mètres à parcourir pour ces concurrentes qu'on connaît bien. Elles sont plusieurs à avoir déjà croisé le fer, notamment ces dernières semaines. La majorité sont bien connues à ce niveau de compétition, même si on a quelques concurrentes qu'on va découvrir dans cette catégorie. En tout cas, c'est un lot qui est intéressant et je trouve qu'il y a de tout. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des chevaux qu'on peut sans doute prendre en base, d'autres qui font figure d'outsiders séduisants. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet de cette épreuve dans laquelle j'ai retenu. En tête de ma sélection, le numéro 4, Santorina, Santorina, qui reste justement euh, sur une cinquième place à ce niveau-là. Euh, c'était dans un quintet disputé il y a à peu près un mois de cela euh, sur l'Hippodrome que c'était 2400 mètres. C'est vrai qu'elle faisait partie des plus en vue, elle n'a pu faire mieux que cinquième, c'était pas si mal, mais je pense vraiment que la distance était légèrement trop longue. Elle avait déjà bien fait hein, par le passé sur 2400 mètres à une reprise, euh, je crois que c'était du côté de Nantes, mais c'est vrai qu'auparavant, euh, elle avait terminé deuxième d'un quintet plus sur 2150 mètres à Longchamp et c'est vrai que l'impression euh, visuelle était bonne elle avait échoué de très peu pour la victoire et elle prouvait qu'elle était capable de remporter une telle épreuve en tout cas euh, c'était sa deuxième course après une longue absence elle montrait qu'elle était revenue euh, à un très bon niveau euh, je pense qu'elle est compétitive à ce niveau j'aurais peut-être préféré un meilleur numéro euh, dans les stades de départ mais sur les forums de, euh, de Saint-Cloud c'est pas un problème de revenir euh, la ligne droite est très longue et euh, je pense que malgré ce numéro 14 elle est capable de mettre tout le monde d'accord ensuite j'ai retenu en deuxième position le numéro 11, Ongmar, pour moi, c'est certainement la meilleure chance théorique. Euh, la meilleure chance théorique. En faisant le papier, euh, c'est une euh, jument de 50 qui n'a couru que deux fois cette année. Troisième pour sa rentrée, puis dernièrement, euh, cinquième euh, du quintet référence. Hein. Euh, C'était le 30 mai dernier euh, du côté euh, de Longchamp. C'était sur 1850 mètres. Elle a été cinquième derrière euh, Gypsy, Joe Spirit, euh, Pingo, qu'elle retrouve. Elle battait à l'ATA. Euh, cinq concurrents euh, qui étaient entre deuxième et sixième à l'arrivée de ce quintet. Donc, vraiment une belle course référence. En tout cas, Ongmar, pour son retour dans cette catégorie, euh, elle réalisait vraiment. Une performance très intéressante. Et puis, il faut savoir qu'elle a fait euh, l'arrivée de quintet il euh, n'y a pas plus tard qu'un peu plus d'un an, en valeur 40. Là, elle est prise en valeur 35. Elle a quand même 5 kilos. Si elle peut faire troisième de quintet en, en, en 40, imaginez ce qu'elle peut faire en 35. Elle a limite peut-être même deux quintets dans les jambes avec euh, une telle valeur. En tout cas, euh, comme je l'ai dit, c'est une chance théorique euh, qui est évidente. Et on est obligé de lui accorder un large crédit, d'autant qu'elle va certainement afficher des progrès sur sa récente tentative. Ensuite, j'ai retenu en troisième position l'As, pardon, Well de Pansy qui débute euh, pour le coup, euh, je crois, dans cette catégorie. Ouais, c'est ça. Euh, une jument euh, qui porte la Kazakh, une pouliche de 4 ans, pardon, euh, qui porte la Kazakh euh, de l'écurie Godolphin, entraînée euh, par Henri Alex Pantal, montée par Michael Barzalona. Déjà, euh, rien que euh, ses arguments. Euh, ça fait un petit peu euh, envie de la retenir et puis surtout euh, elle a des références à faire valoir hein, euh, que ce soit sur notre sol ou encore elle a couru l'avant-dernière fois euh, dans une très belle course à, à Milan où elle terminait deuxième euh, euh, dernièrement 7ème euh, d'une euh, course, euh, course à condition d'une listed race pardon, euh, Qui était quand même assez bien composée même si c'était au Lyon d'Angers euh, Elle a des références à faire valoir hein. Elle a déjà fait l'arrivée de groupe 3 Elle est, a été placée de, de, de listed Non franchement elle a un profil très intéressant Elle a été à un moment donné prise en 44 Là pour son premier handicap elle est en 41 Alors certes ça fait quand même pas mal de poids à porter euh, 61 kilos mais voilà, euh, vu ce qu'elle a réalisé, je pense qu'elle est capable euh, de monter sur le podium, même avec un tel poids. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le 8, Dipsy. Je l'aime beaucoup, mais alors le manque de régularité, j'ai beaucoup de mal. C'est pour ça que je la tiens en quatrième position. Je ne pouvais pas vous la conseiller en base. Honnêtement, euh, elle vient de terminer deuxième de la course référence. Euh, Disputée 30 mais elle battait Joe Spirit, Pingo, Ongmar. Bref, euh, elle est capable, euh, sans doute, de remporter une telle épreuve. Maintenant, euh, au part avant dixième, avant quatrième, enfin... C'est Lioyo, euh, elle, a, elle a la marche pour certainement monter sur le podium maintenant, euh, faut voir quel visage elle va, elle va nous montrer, elle a un très bon numéro dans les stalles de départ, il ne faudrait pas qu'il soit trop bon et qu'elle se retrouve enfermée, enfermée côté corne, mais en tout cas euh, c'est assurément une jument qui est capable euh, de rivaliser pour les premières places, maintenant voilà, euh, c'est une question d'impression, mais vu ce qu'elle vient de montrer, on est obligé quoi qu'il arrive de lui accorder un large crédit. Ensuite j'ai retenu en cinquième position le numéro 6, Pingo. Je l'aime beaucoup, c'est vraiment une jument d'expérience. Alors certes, elle n'a jamais remporté son quintet. Euh, elle en a couru déjà 14 pour 6 places. Maintenant, elle vient de terminer quatrième de la course référence, derrière justement euh, Dipsy. La ligne est bonne. En plus, elle a couru cette épreuve l'an passé. Elle a terminé 5e en valeur 39. Là, elle est prise en valeur 36,5. En théorie, elle aussi, elle a de la marge pour pouvoir réaliser une bonne performance. Maintenant, face à ses cadettes, ses tâches sont un peu moins faciles à l'âge de 6 ans. Mais bon, elle continue de répondre au présent. La dernière sortie qu'elle vient de fournir le prouve. Donc voilà, je ne la vois pas gagner. Au mieux, elle peut être peut-être 3e. Mais je la vois plutôt pour une 4-5e place avant le coup. Ensuite, j'ai retenu en 6e position. Le numéro 5, Joe Spirit. Bah écoutez, euh, force est de constater qu'elle a de la marge en région parisienne. Euh, C'est une jument qu'on a bien connue en province, euh, surtout, où elle a, où elle a été vraiment des des valeurs très intéressantes, elle n'avait pas forcément une grosse marge de manœuvre, mais elle a beaucoup progressé, j'ai l'impression, euh, depuis que son entraîneur lui a mis les œillères, ça lui a permis de remporter un handicap l'avant-dernière fois, et puis elle a confirmé euh, dernièrement en terminant troisième de la course référence fin mai, donc voilà, une euh, jument euh, qui a trouvé un second souple avec les œillères, qui est bien placée dans la salle de départ, qui est compétitive, qui vient de le prouver en dernier lieu, la distance ne va pas la déranger, pour moi, euh, c'est pas vraiment une outsider, mais c'est une candidature qui est quand même très séduisante. Ensuite en 7 position j'ai retenu une autre candidature séduisante. Alors là pour le coup c'est vraiment un outsider qui me plaît tout particulièrement. Euh, c'est le numéro à 14, Joli Corbeau, euh, que j'ai retenu en 7 position. Alors, c'est vrai qu'elle a couru trois fois cette année quatrième, euh, troisième, troisième, elle a couru une seule fois dans les quintés pour une huitième place, alors c'était à Chantilly, c'était en fin de saison dernière, d'ailleurs elle a été euh, arrêtée suite à cette sortie, est-ce qu'il y avait un problème, je ne sais pas, mais en tout cas euh, depuis cette sortie, elle a quand même euh, retrouvé du moral, euh, elle est euh, à une valeur bien plus avantageuse, hein. elle était en 37 lors de sa huitième place, là elle est en valeur 34, elle est bien placée dans les salles de départ, attention, je trouve qu'en bas de tableau, en plus avec Corentin Verger, euh, que j'aime beaucoup, euh, un jeune qui monte, euh, c'est vraiment en bas de tableau, euh, comme je l'ai dit, un outfielder qui me plaît tout par Particulièrement. Et enfin, en 8 position, j'ai retenu le 2, Beautiful Aspen. Je retiens quasiment à tous les voyages Alexis Pouchin. Je vous le cache pas, j'aime bien son association avec Eric Libot. Elle reste sur deux victoires. La dernière, dans un handicap disputé sur l'hippodrome de Châteaubriand. Déjà en compagnie d'Alexis Pouchin, de bout en bout. Elle l'a fait vraiment de, de belles manières. Maintenant, elle monte de catégorie. Elle est prise en valeur 38. Elle a déjà été prise. A une valeur à peu près similaire, il y a très longtemps, hein, elle a fait l'arrivée d'un handicap en 37,5. Je pense qu'elle a encore un petit peu de marche, pas tant que ça non plus. D'autant euh, qu'il y a quand même des 4 et, et 5 ans qui euh, sont à mon sens en, supérieurs en valeur pure. Mais en tout cas, euh, si elle venait à prendre une place, je ne serais pas étonné. Et enfin, en cas de non-partant, j'ai retenu le numéro 3, Cléora. Cléora qui vient de faire l'arrivée euh, d'un réclamé. Ce n'est pas extraordinaire, maintenant elle est baissée, elle est en 37,5. Euh, lors de son dernier essai dans un handicap, elle avait fini sixième d'un quintet à Fontainebleau en 38,5 donc là en 37,5 ça lui laisse un peu plus de marge. Elle est confirmée à ce niveau là, même si elle n'a pas non plus couru des milliers de, 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 de quintés. En tout cas, euh, quoi que non, j'ai des bêtises, c'était son, son unique sortie. Je pensais qu'elle avait couru euh, plusieurs fois au niveau, au niveau des handicaps. Euh, non, non, mais à pas En tout cas, euh, c'est une coulisse qui, avec un kilo en moins par rapport à sa dernière sortie dans cette euh, catégorie, me semble capable de prendre une place. On va faire un petit récapitulatif de notre sélection, de ma sélection plutôt, avec le numéro 4 que j'ai retenu devant le 11, l'AS, le 8, le 6, le 5, le 14, le 2 et le numéro 3 en cas de non-partant. Voilà, vous savez tout pour ce Quintet ⁇ euh, En conseil de jeu pour moi, Santorina, le 4, pour son retour sur une distance euh, un peu plus courte, euh, c'est vraiment euh, une toute première chance. Le 11, Ongmar... C'est la chance théorique de la course, la, la, la plus belle en tout cas à mon avis. Euh, elle doit afficher en plus des progrès sur sa récente sortie. Et puis le numéro 1, Wild Panty. Alors certes c'est son premier handicap, mais vu le profil euh, qu'elle dispose, elle a en plus 3 kg de plus par rapport au numéro 2. On a tendance à dire euh, quand il y a un tel écart entre le 1 et le 2 que là c'est peut-être un peu déclassé, mais... Porter 61 kg, c'est jamais facile, mais quoi qu'il arrive, euh, pour moi, c'est quand même une très belle chance et euh, il faut lui accorder un très large crédit. Donc 4, 11 et As, mes trois préférés dans cette compétition. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition euh, de La Minute Quintée. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée ou à la partager. Vous pouvez également euh, cocher la petite cloche sur YouTube pour être au courant des prochaines vidéos et n'en louper aucune. En bleu, c'est un pronostic, ça fait toujours plaisir de vous lire. Pas uniquement le dimanche où on a bien entendu le tirage au sort. Vous aurez d'ailleurs le résultat euh, de ce tirage au sort pour gagner un mois d'abonnement au site turf-fr.com euh, dès demain dans l'émission de mardi. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.